Ça y est, on est de retour en direct sur les ondes du 94 MHz de la bande FM. Et ça y est, Dadou est parmi nous. Bonsoir, Dadou. Bonsoir. Bonsoir. Sorry for my French. I'm a kind of late froggy. J'arrive avec le quart d'heure toulousain. Et je mettrai les bouchées doubles, c'est promis. Ah, super. Bah, tu nous ravis en tout cas d'être là, ça fait plaisir. Donc, on rappelle, hein, donc, c'est aussi pour faire voilà, la promo de la date qui a le demain soir. Hein, donc, fin prêt pour demain? Tout à fait. Déjà enthousiaste et ravi d'avoir posé ce rendez-vous. Tonton Imhotep est dans la place à Toulouse. Je viens de le quitter, il va manger là ce soir un peu vegan et tout là. Donc demain on est frais, on est bon. Yes ça, yes ça. Et puis tu seras pas tout seul avec Imhotep, il y a aussi une troisième personne avec vous. Et l'excellent DJ Gel qui sera parmi nous aussi, lui qui arrive de Atlanta où il a eu un périple pour les 50 ans du hip-hop. Yes. Donc on est vraiment Dirty South full power. C'est cool. Eh ben, ce que je vous propose, Sarah, toujours en place, tout va bien pour toi, là, impeccable. T'as on les petites feuilles en face de toi, les petites questions qui vont bien. C'est ça. Eh ben, écoute, on ça est va parti. Être, eh ben, écoute, ça va être parfait pour démarrer. Et puis, ce que je vous propose, tout de suite, c'est d'écouter quand même un morceau de l'EP pour commencer cette petite session. Yeah. Et comme les personnes qui ont répondu à notre petite, comment dire, concours, ouais, pour gagner des places pour demain. Ouais. La plupart ont répondu. Bon, on leur demandait quel est le morceau préféré, quel est votre morceau préféré de Dadou. Sans surprise, ils ont donc cité Sale Gosse. Hein, ouais. Ça dépend de l'âge. Ouais, ouais, ouais. C'est ça. Mais ce que vous allez découvrir avec Sarah, j'espère qu'on aura le temps de les passer et tout, hein, c'est qu'elle a fait quand même un petit peu de travail et vous allez voir que quand même il y a quand même beaucoup plus de choses et vous les connaissez en plus, hein, ces morceaux d'Adou, une bien grosse sûr. Carrière, une très grosse carrière, on va en parler dans un petit instant. Et bon, je trouvais ça fun quand même puisqu'il y a un petit clin d'œil à Sale Gosse sur cette EP, de commencer par ça. Sarah, yes, I, on commence tout de suite par ça, donc super. Restez bien accrochés sur 94 MHz de la bande FM et on passe à l'interview d'Adou juste derrière. C'est ça. Yes, c'est du son pour les sales gosses. Les gosses d'aujourd'hui, c'est des sales mômes. Ils sont taillés hors normes, ils sont longs comme des porcs. Petit homme, petit diable à petite corne. Des junkies, du McDo et du steak à l'hormone. Dans la rue avec des sacs de une tonne. À squatter les bancs du parc pour se mettre stone. Plus fourni que Darty en téléphone. Tu crois les réveiller, mais c'est eux qui t'endorment. C'est du son pour les sales gosses. Tout dans le style, la dégaine, la pose et la play. Du son pour les sales gosses. Veulent pas savoir comment je rappe et combien on me paye. C'est du son pour les sales gosses. Tout dans le style, la dégaine, la pose et la play. C'est du son pour les sales gosses. Faut pas savoir comment je rappe, mais combien on me paye. Et les petites cendrillons de vrai futur micheton. Rouge à lèvres, cheveux longs, imitation Vuitton. Elle veut du prince qui pèse dur, de la grosse coupure. Faut qu'il ait le cheval sur le capot de la voiture. 13 piges contaminées par la ginouïde. J'ai brûlé à l'acide un vrai poule de bowling. 14 piges contaminées par Ali McBean. À vouloir aller chez le psy pour les hémorroïdes. C'est du son pour les sales gosses. Tout dans le style, la dégaine, la pose et la paye. Du son pour les sales gosses. Veulent pas savoir comment je rappe et combien on me paye. C'est du son pour les sales gosses. Tout dans le style, la dégaine, la pose et la paye. Du son pour les sales gosses. Veulent pas savoir comment je rappe et combien on me paye. Les années passent, les enfants se ressemblent. Les enfants se ressemblent. Pourtant rien ne change. Rien ne change. Rien n'a changé ici. C'est du son pour les sales gosses. Tout dans le style, la dégaine, la pose et la play. Du son pour les sales gosses. Veulent pas savoir comment je rappe, mais combien on me paye. C'est du son pour les sales gosses. Tout dans le style, la dégaine, la pose et la play. Du son pour les sales gosses. Du coup, Dadou, merci yeah. d'être venu. Oui. Avant de parler de l'actu et de ton EP, voilà, petite présentation.
de toi, de ton parcours. Donc Dadou, tu démarres dans le rap en 94 avec le fameux groupe KDD, oui, qu'on entend là derrière. Oui. Vous sortez trois albums, Opte pour le cas, Résurrection, avec notamment le morceau Une princesse est morte et Une couleur de plus au drapeau, oui, qu'on entend tourner. Oui. Là, c'est le geste qu'on entend. C'est le geste, ouais, ouais. Énorme morceau. Et l'album, l'album, c'est Une couleur de plus au drapeau, tu as raison. Yes. On va s'écouter ce morceau, on reprend juste derrière. Qu'à l'âme, c'est l'amour, vague à l'âme sur le macadam. J'aurais tapé, mais quand même un peu. Pour tuer ce mal, qu'on m'aide un peu. Pour beaucoup d'actes crapuleux, je plaide coupable. Avec beaucoup d'honneur, je mets ça sous le coup. Le cœur instable, j'avais pas ta magoshi. Mes 3 grammes de chi dans le cartable. L'artifice crée un manque d'amour supportable. Soir à table avec mon père, on discutait pas. Il était dans ses factures, moi je priais pour qu'on me balance pas. Fierté dans mes gènes, le type de cité. C'est ce qui gêne l'accès au cœur dans tous les types de cités. Mais je voulais quand même un peu. Même si la vie a fait que petit à petit, on se tait juste un peu. Ce qui fait qu'on se méfie, c'est pas le cœur mais le système. Plus d'amour dans vos yeux pour que l'on vive mieux. Rien ne remplace le geste, même pas le cadeau. Rien ne remplace l'amour, même pas le geste. Geste et culte dans ce monde prouve que tu existes. Sans amour dans le cœur, y'a que le mur qui résiste. Rien ne remplace le geste, même pas le cadeau. Rien ne remplace l'amour, même pas le geste. Geste et culte dans ce monde prouve que tu existes. Sans amour dans le cœur, y'a que le mur qui résiste. Sans su la haine dans mes yeux, celle qui me pousse à pliable. En surface, tu me crois heureux, mais j'encaisse grave. Le manque n'est pas toujours matériel. Certaines souffrances sont plus rebelles. Parfois, le besoin nécessite réponse à l'appel. Celui qui a faim peut se débrouiller pour manger. Mais rien pour le cœur, je trouverai pas d'amour en sachet. Les sentiments par acquisition, ça n'existe pas. On liave ce qu'on n'a pas, mais l'affection, ça se charbonne pas. Se cacher derrière un spliff et une saison, on l'a tous fait. Mais c'est pas pour ça que tout s'arrange. En fait, tu ne fais qu'étouffer. On ne cesse jamais. Mais de se faire bouffer, dégoûté qu'aucune oreille soit prête à t'écouter. Pourquoi faut-il mourir pour se sentir aimé? La solitude c'est pire qu'une fracture irréparée. Dans le noir, la fierté se brise à cause des larmes. Rien ne remplace le geste, même pas le fric, même pas la gloire. Rien ne remplace le geste, même pas le cadeau. Rien ne remplace l'amour, même pas le geste. Geste et culte dans ce monde prouve que tu existes. Sans amour dans le cœur, y'a que le mur qui résiste. Rien ne remplace le geste, même pas le cadeau. Rien ne remplace l'amour, même pas le geste. Geste et culte dans ce monde prouve que tu existes. Sans amour dans le cœur, y'a que le mur qui résiste. T'as pas su m'offrir un seul coup de fil. Pendant que t'hésites à me joindre, 17 puis je défile. J'ai pas demandé à naître dans ce monde, bordel, j'ai rien demandé. J'ai pas demandé à naître sans vivre avec mon père. Je suis un manque, je suis un manque d'amour. Comme ces victimes qu'on engendre, qu'on délaisse, qu'on décime. Une vie sans racines, tente de me faire la cour chaque jour. Chaque fois qu'il se pointe, je n'ai droit qu'au sentiment d'un jour. Pourquoi j'aurais d'aimer jusqu'à ce que la mort sépare? Puisque la plupart des couples finissent par se séparer. Se donner à fond, offre ce que t'as pas dû. Faire semblant d'être bien dans sa peau, trop de jeunes ne vivent. J'ai perdu des proches, des mères, des frères, des sœurs. Mais ce qui me chagrine, c'est de ne pas avoir ouvert mon cœur, du moins pas assez. À chaque malheur, une remise en question s'impose. M'offrir un peu d'amour serait pour moi l'apothéose. Rien ne remplace le geste, même pas le cadeau. Rien ne remplace l'amour, même pas le geste. Geste et culte dans ce monde prouve que tu existes. Sans amour dans le cœur, y'a que le mur qui résiste. Rien ne remplace le geste, même pas le cadeau. Rien ne remplace l'amour, même pas le geste. Geste et culte dans ce monde prouve que tu existes. Sans amour dans le cœur, y'a que le mur qui résiste. Yeah. J'ai débarqué de mon bled paumé. Yeah, yeah, yeah. Yes. J'ai pris Mayday au téléphone qui sera parmi nous demain. Donc je... Mayday ? Ouais. Ouais, voilà, ouais, on t'entend, on Mayday. Entend. Salut Mayday. Eh oui, il y a un petit... Du coup, attendez, moi, j'avais la radio... Attends, live avec nous. Ok. Alors, on va continuer sur les grandes lignes de ton parcours, Dadou. Yeah. Donc, tu te lances dans une carrière solo et on te retrouve sur de nombreuses collabs avec des artistes de la scène rap français, dont Akash, Rof, Oxmo, Vita, Lady Lesty, Cool Chain et plein d'autres. Tu sortiras ton premier album en 2003, France History X, avec notamment le morceau Sale Gosse qui a connu un énorme succès. Et cette année-là, tu signes aussi le scénario du film Gomez et Tavares, on entend Nestru derrière.
la BO de Taxi 3 et le film Grrr d'Alain Chabat. Tu continues à t'intéresser au travail de composition et réalises en 2006 l'album Garo Jaguar de Joey Starr, qui sera nommé aux Victoires de la Musique en 2007, et tu seras le metteur en scène de sa tournée. En 2009, on te retrouve sur scène dans un autre univers, plutôt punk rock, avec un groupe qui se nomme D and the Zep, et tu continues en parallèle la prod pour des génériques, des spots pub. Ensuite, on te retrouve en force en 2015 sur plein de projets différents. Tu sors cette année-là un clip, Bullets, avec le groupe The Classic. Vous formez le crew d'Adou and The Classic. Tu rejoindras aussi la même année Gary Gréou et DJ Kayalik dans le groupe Ohi Star. Vous sortirez successivement un EP, un album et une tournée européenne. Et tu formes aussi le duo Black Punk avec ton frère Billy Bats, avec qui vous ferez une tournée. Et tu partiras ensuite en 2017 sur une tournée au Brésil. Tout à fait. Ah ouais, c'est ça. Et ouais. On est bon, on est bon. Ça fait un sacré parcours déjà. Ah bah carrément. Et ensuite, on te retrouve sur quelques titres. En 2020, il y a des titres qui apparaissent comme ça, dans Señorita, C'est de la folie, et Ma ville, c'est la rue. Voilà, ce dernier morceau, nous on l'a découvert avec Malk. On connaissait pas, on a kiffé. Franchement, franchement c'est une tuerie. Ma ville, c'est la rue. Grave. Franchement, c'est alors ça c'est sorti quand en fait? C'est sorti en même temps qu'Historique en fait ou... C'est un inédit de France Historique. Okay, et on retrouve que sur le maxi, parce que j'ai regardé un petit peu, en fait, il n'y a que un maxi où c'est qu'on le retrouve ce truc-là. Exactement. Et c'est, c'est ce qu'on s'écoute. On s'écoute ou quoi? Vas-y, partons. Allez. Ah ouais, cool. Bah ouais. Ah ouais, nice. Ma ville, c'est la rue. Ma ville, c'est la rue. Dans un petit bar en équipe, on parle droit dans les yeux de l'avenir pour faire du fric, vendre la couleur au bleu. Les yeux flanqués sous quartier, tu crois que c'est le maxi procès. Chico de loup mal rasé, sourire brossé. Sous le regard des plus jeunes qui rôdent raides, ils savent que la corde autour de leur cou s'appelle respect. 10 piges à monter le réseau, fils les chaque tuyau. On me tutoie chez Hugo et je tutoie les grands restos. Ma famille bâtit l'empire, chaque type est une pierre. Gardien de mon frère, je représente mon père, mais les jeunes poussent derrière. Ça, ça me plaît. Faut respecter les règles, sinon ça tu le paies. Pareil côté quartier, y'a plus de limite. La mode c'est mainstream, pareil que les petits limites. Le délire c'est cheese, bédave. Putu gosse lave, prise de narcotique dur, fini le shit. Pareil que ça tire pour ti, ça part mal et ça chie. Ça veut niquer le marché, ça vend du petit sachet. 20 piges RS4, ça s'affiche complet. Déjà fiché avant d'être tout cavé. Ça vient jouer du grenaille dans les grosses soirées rap. Ça veut canner sans être Biggie ni Tupac. Ma parole, ils pensent que la vie c'est gratuit. La petite vieille qui pense à Le Pen, comme ça tu l'appuies. Les bœufs carottes ont les oreilles cuites. Un forfait Mobicard et ça part les suites. Faut arrêter les frais, on est venu ici pour se faire à leurs frais. Par tous les moyens nécessaires. Le but c'est rester unis face à l'adversaire. Pas servir l'honneur de la famille en dessert. Si tu joues dans la cour du crime, tu représentes des milliers de pères, des milliers de mères, des milliers de frères. Ma ville c'est la rue. Ma ville c'est la rue. 4 bises, famille, équipe et bise. Ma ville c'est la rue. Ma ville c'est la rue. 4 bises, famille, équipe et bise. Ma flotte, que des têtes hautes à viser. Des vieux loups de grotte sur bitume dur à viser. Poulains à la pelle sur lesquels tu peux miser. Coup tordu spontané sous lumière tamisée. J'pousse là où haine et amour se mêlent. Nage dans les océans de sang pour un grain de sel. Kalashnikov cocktail, toute la merde est dehors, les mers hors d'elle. Mais d'où vient ce bordel? Petit loup en sentinelle dans un champ de gazelle. Vif comme Billy Crawford, armé comme Israël. Pour les cabrioles de Saint-Fé, la Rome, Saint-Rome. Les forts à Châtelet et les bad boys de la Drôme. Chez moi partout, partout les flics Marcel. Même dans la Creuse, avec mes loups en Marcel. Mais j'ai les bouches du Rhône et les couilles à Marcel. Mon équipe s'étend des Pas-de-Calais à Marseille. Je représente la couleur louche de l'arc-en-ciel. Les morveux regards farouches et les potes dans le ciel. Zidane, une poussière dans tout le potentiel. Viens dans ma cave, je vais te faire rire comme Jamel. Vend de l'amour, le FN vend de l'arme lourde. Lève ton doigt pour le pen, sauf s'il sent la poudre. La rue, un gros tissu à recoudre. Cette rime, un stylo dans ton oreille sourde. We will
le système est pourri, c'est le coude à coude. Oui, oui, je souris au système, mais j'y vends la foudre. Lourde est la tâche du MC quand la rue s'y met. Carton rouge, monsieur l'arbitre, je crois que l'État simule. Violence d'ici, mais l'oseille stimule. Face au pouvoir, restez frais comme un steamroll. Gabriel Péri jusqu'à Esquirol. Y'a qu'une ville, qu'une rue, parce que voir l'or. Ouais, c'est exactement ça, c'est mon demain, c'est loin. Bah, avoir fait un petit retour vers le passé, maintenant on va s'intéresser à ton actu. Yeah. Donc là, on est en 2023, tu viens de sortir un nouvel EP, X2, avec 6 titres originaux. Oui. On te retrouve dans un nouvel univers, plus chanté que rappé. Oui. Ouais, avec un univers musical très éclectique, des sons hip-hop, jazz, électro et même des sonorités reggae. Oui. Déjà, pourquoi X2? Qu'est-ce que ça signifie? X2, moi je viens du rap, donc je viens de l'époque de l'alphabet. Aujourd'hui, on est dans l'époque du stream. Mmh. Donc on est dans l'époque des chiffres 0, 1, 0, l'informatique et tout. Et du coup, je dirais qu'on est dans le bêta-B. Et X2, pour moi, c'est comme si tu disais X2, D'EUX. C'est des chansons qui sont l'ordinaire des gens que je croise dans ma vie. Ok. X2. Ok, ok. Mais écrit en bêta B, écrit en digital. Ok, ok. Yes. Cool. C'est une factorisation. En maths, on appelle ça la factorisation. Ouais. Ouais, très mathématique, tout ça. Et est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur l'inspiration et les thèmes qui ont influencé justement Stoppé? C'est... Ce qui m'inspire en général, c'est les personnes que je croise dans la vie, qui me racontent des histoires. Tu sais, ces petites phrases qu'on est... Tu sors le matin, tu vas à la boulangerie, tu croises un vieux pote que tu n'as pas vu depuis quelque temps, et le temps d'une baguette, il te raconte une petite histoire. C'est ça, la chanson. Ok, ok, ok. Donc, tu t'inspires du quotidien, de ce que tu vis au quotidien, fais des morceaux. Quoi. Ouais. Yes. Il y a un morceau ou des morceaux qui tiennent particulièrement à cœur dans cette EP? Quelle signification particulière pour toi? J'assume tout. les chansons qui me touchent de manière différente. Je vais parler de Regarde le ciel. Pour moi, elle est ultra touchante dans la mesure où c'est une chanson où ma fille, elle accepte de chanter dessus. Clara, yes. Cry Baby. Yeah. Et le truc, c'est que t'es pas sûr qu'elle kiffe ce que tu fais. C'est pas parce que c'est ta fille qu'elle aime ce que tu fais. Ouais. Et c'est pas parce que c'est tes parents que tu dois kiffer tous les dessins. donc si tu veux, cette rencontre, elle se fait. C'est ça qui est magnifique pour moi déjà dans la chanson. Donc j'ai ce truc avec celle-là. Ensuite, il y a London que j'aime. London 92 C'est l'horizon de ce que je suis aujourd'hui dans ma créativité. Je vais vers des choses qui vont plus vers le personnage. Je me sers du rap comme un déguisement. Et est-ce que tu y allais en 92 à London justement? Non, c'était en 2000. C'était London pour de vrai. C'était en 2002. C'était 2000, donc 10 ans après en fait. Et en fait, quand j'y vais en 2002, je rencontre là-bas ce qui a fait les années 90. Ouais. Tu vois, Soul to Soul, Omar, tout un tas de chanteurs comme ça. C'est Jamiroquai, il est partout. T'as la grime qui commence à arriver. Et donc là-bas, si tu veux, t'as le cœur de l'âge d'or qui est déjà en place. Donc moi je le vois en 2002, mais quand j'écris la chanson, je dis 92 parce que j'ai senti plutôt cette époque en y allant. Morceau un peu house, house super électro, puissant. C'est ça, complètement là-bas, complètement dans la musique de Come into my life, but I'm gonna hold you. C'est vieux truc un peu anglais, un peu mais house, fin de soirée, voilà. C'est cette réminiscence. Et justement, du coup, comment tu travailles sur la création de tes chansons, en fait? Ça va plutôt être des musiques, des sons qui vont t'amener à un texte ou l'inverse? C'est des sentiments. C'est quand j'arrive à exprimer un sentiment avec des mots,
Et du son, je me dis, c'est un bon thème de chanson. Alors, le sentiment, il peut être intime, il peut être populaire, il peut être partagé, il peut être clivant, il peut être provocateur. Mais c'est d'abord c'est le sentiment. Tu sais, t'es là, ta journée, elle est un peu... T'es un peu fatigué, tu as des soucis, machin, et puis il y a quelqu'un qui rentre, il y a un parfum. Tu lèves la tête, c'est quelqu'un qui te regarde, qui te sourit, qui te dit, te rappelles pas de moi ? Et c'est un vieux pote, tu vois ? Voilà, c'est ça le truc. C'est ce sentiment de... Voilà. Quand ça arrive, quand t'arrives à en faire une chanson, c'est cool. Yes. Ouais, carrément. Ok, et donc ce projet, ça fait combien de temps que tu travailles dessus ? On sait qu'il y a beaucoup d'artistes qui, pendant le confinement, ont été hyper productifs. C'est un bébé du confinement. Le bébé du confinement, je ne l'ai pas sorti de suite. Okay. Il m'a amené trop dans le futur, le truc. Tu ne peux pas le sortir maintenant. Ouais, carrément. En vrai, je ne peux pas même faire écouter, si tu veux, parce qu'il est devenu fou. Mais c'est né pendant le confinement, donc non, c'est plutôt après. Cet album, il est vraiment dans, je l'écris dans le dans cet après moment justement où on retrouve à peu près des mœurs quotidiennes. Mmh. Et du coup, c'est comme si tu réouvres les yeux après un coma et tu dis ce que tu vois en premier, ce qui t'étonne. Tu vois, c'est ça, c'est du post-confinement, quoi, vraiment. Ouais, c'est un réveil post-traumatique. Ouais, c'est ça. Yes. Et du coup, on retrouve pas mal de monde donc, sur ce projet. Donc, on en a parlé tout à l'heure. Il y a ta fille, Clara Crybaby. Oui. Il y a aussi Eyal sur le morceau Sale Gosse 2. Oui. Et des DJ, Mayday. Oui. Ouais, il est là avec Jel. Il est là, Mayday, t'es là? Il est toujours avec nous. Voilà. Je vais lui poser des questions. En plus, la maison mère. Donc, Mayday, tu fais une prod sur ce EP ? Non. Alors, Mayday, il n'est pas sur une prod. Il va te répondre, ouais. Mais Mayday, pour moi, c'est un... Tu sais, le chef dans le rap, c'est le DJ. Ouais. Moi, c'est mon chef. Voilà. C'est celui qui apporte la culture. Ouais, c'est le garant de tout ça, c'est le gardien de ton expérience. C'est celui qui va la traduire et la partager au plus grand nombre. C'est comme un druide. Un griot. Le druide. Un griot. Tu valides le druide ? C'est moi le riz. Je fais le riz. Joe, c'est comme le cowboy et l'aventure. Ouais, ouais. Bah, du coup, normalement, c'est nous le jockey. Ouais. Ah. C'est ça. C'est celui qui chevauche les disques. Il y a que lui qui me cravache. Et du coup, ouais, on était sur les collabs. Donc il y a Mayday, il y a Jel, il y a Imhotep. Oui. Il y a DJ Perk aussi sur Recommence. Ouais. Et puis il y a tout un tas de petits détails. La basse, elle est faite par Pompon, qui est un grand bassiste du Sud-Ouest. Et de France, on a à la guitare sur Regarde le ciel Pascal Zenoun qui est aussi un grand musicien du Sud-Ouest. C'est-à-dire j'ai vraiment travaillé avec une équipe serrée du coin pour les petits détails et puis j'ai fait un petit tour de France et d'Europe sur les prods. Ok. Le père qui vient du Luxembourg, par exemple. Ok. Et c'est plus des affinités. Musical, artistique, c'est comme quand tu vas voir un couturier qui va te regarder, qui va te dessiner une robe en prenant ta mesure. Mm. C'est des gens qui savent prendre la mesure du MC auquel ils s'adressent et j'ai bien aimé leur sens de la mesure à mon égard. Bien. Mm. Bon, malheureusement, il est 20h56. Et c'est l'heure du KFC, là. Et c'est l'heure du KFC à fond de chez fond, là. Et quand même, on aimerait bien passer un petit dernier morceau du EP avant de se quitter. Et en plus de ça, il y a mon ami Paul qui est déjà arrivé. On est à la bourre grave, mec. Hein. On dit au revoir à Mayday. On dit au revoir à Mayday, bien sûr. Au revoir. Merci. Yeah, Mayday, on dit pas au revoir, on dit à demain, surtout.
On dit à demain à tout le monde. Carrément, à demain, ouais. Et on n'a pas fait le tirage au sort, mais on vous envoie un petit mail. On a les mails de tout le monde. On envoie un mail au gagnant. Allez, impeccable. Et nous, on est chaud. Et puis, je te check tout à l'heure. Je t'appelle. Tu sais, pour la cargaison qui doit arriver à 1h du mat. T'as compris? Si, si. Allez, bisous, frérot. On rappelle quand même demain au Rex à 20h, 313 Original Party, Dadou, Imhotep, d'abord, Gel, Mayday. Voilà, énorme soirée demain soir. Et plein de surprises. Pour fêter la sortie de ce nouvel EP. Yes. ouais, carrément. Et nous, on y sera. Donc, bien sûr, on sera là. On a quelques auditeurs qui seront avec nous. J'espère qu'on aura l'occasion de se serrer la main et tout sur place. C'est avant Noël. J'espère que ce sera un beau rendez-vous. Yes. Et on s'écoute donc pour finir le morceau On Recommence, qu'on a fait tourner un peu sur les réseaux. Peace, Mayday. Je t'appelle. Yes. Peace à Mayday, le jockey. Tous les trains sont annulés de Marseille, là. Il faut trouver une solution. Ok, très bien. C'est le live, c'est le direct. On est bon. Ouais. On est tout bon, c'est nickel. Là, c'est cadeau pour vous. Allez. Merci pour tout. La suite au prochain épisode, c'est demain au Rex. Carrément. Allez, impeccable. On a hâte, on y sera. Yes. Big up à tous. Allez, on écoute. Dédicace à tous les gens qui sont déjà nombreux et qui ont déjà témoigné de leur présence. Merci. Big up. Yeah. Et on s'écoute, on recommence et on laisse la place à Paul pour la brèche juste derrière sur Campus FM. Lâchez pas l'affaire. Big up. Merci à toi, Dadou. Big up, Sarah. Big up, merci big up. D'avoir été là. C'est cool. De nuit dans mon ciel, dans leur cœur, tous mes jours brillent. Yeah. Ma part en skate encore sur des copies. Son WhatsApp a de multiples copies. Je me suis pas manqué dans le showbiz. J'ai brûlé quelques épisodes pour que tous les toasts grillent. Trop pressé, la vie prend le temps de vivre. Compressé, on se vit dans livre sterling. Comme né dans KFC, on est deux ailes à déployer sur un onion ring. La vie, on laisse pas apprendre, c'est à laisser. Ouais, je passe arrière pour mettre l'essai. 31, ma couille de l'espace, viens la cité. On recommence pour le win-win. C'est quand on te dit que c'est fini que tout commence. C'est quand on te dit que c'est cuit que c'est une nouvelle chance. Depuis que je n'entends plus ce qu'ils pensent de moi, ils me disent fini et je recommence. Il est plein de pourquoi, elle est pleine de ces comme ça dans les yeux. Les résultats sont là, les résultats sont là. Ils sont là, assis tous les deux. Voilà le résultat. Elle va devoir aller mieux. Il va devoir ouvrir les yeux. Aucun billet ne peut contrer ça. Elle va devoir perdre ses cheveux. Un octobre rouge, un couple, épisode feu. Yeah. Combat ultime, direct, droit dans les yeux. Yeah. Que faire d'une maladie quand on est deux? Yeah. Avant de lui faire l'amour ce soir dans la salle d'eau, il lui rasa les cheveux. C'est quand on te dit que c'est fini que tout commence. Yeah. C'est quand on te dit que c'est cuit que c'est une nouvelle chance. Yeah. Depuis que je n'entends plus